Bonjour à tous et joyeux Noël, encore une fois. Nous sommes le dernier dimanche de l'année. C'est le dimanche de la Sainte Famille dans cette octave de Noël. Et le mystère de Noël est un mystère de famille, vous le savez. C'est cette famille divine qui a tout créé à son image, à sa ressemblance, par le Fils dans la puissance de l'Esprit. Le Père nous a fait un cadeau extraordinaire. C'est justement cette alliance avec la famille des hommes, avec laquelle il a voulu habiter. Et son fils s'est immergé dans cette famille avec le mystère de l'incarnation, Marie, notre maman et la mère de Dieu. Et puis Joseph, l'époux très chaste et le père aussi de nourricier de Jésus. Cette sainte famille, elle s'est laissée guider par la parole de Dieu tout au long de leur vie. Et c'est une invitation, nous aussi, à prendre cette parole de Dieu comme lumière. C'est vraiment aujourd'hui une lumière vous est née. C'est cette lumière, parole de Dieu, fait chair, qui nous conduit de cette vie à l'autre vie. Je voudrais d'abord redire avec insistance combien la famille est aimée de Dieu. La famille est aimée de Dieu, elle est l'alliance jamais interrompue depuis la création jusqu'à la fin des temps. La famille en difficulté ou la famille unie, elle est toujours aimée de Dieu. Et Dieu n'abandonne aucun de ses enfants parce que lui-même est un père de famille. Et que de quelle famille? La Trinité sainte pour toujours et puis aussi le Père de toute la création. Je voudrais aussi dire aux familles combien l'Église est famille. Et que ce n'est pas simplement une séparation, une distinction, elle est nécessaire entre le clergé et les laïcs, mais que ensemble nous formons la famille des enfants de Dieu. Et l'Église ne peut être que famille, sinon elle ne peut pas témoigner justement de cet esprit de famille qui est venu apporter le Christ sur la terre. Puis enfin, je voudrais aussi bénir les familles, vos familles, et vous inviter à cette confiance en la Providence qui veille sur vos familles, familles de la terre, familles du ciel aussi, familles de ceux qui nous ont déjà quittés, précédés dans le royaume, pour qui nous devons aussi toujours continuer à prier. Fête de la famille, c'est aussi redire le caractère sacré du lien qui unit un papa, une maman, des enfants. C'est sacré parce que, précisément, sacré, cela veut dire réservé pour l'amour, de sorte que, ensuite, étant réservé pour l'amour, nous puissions nous ouvrir à tous et à toutes. Le caractère sacré ne met pas à part, au contraire, il permet la rencontre, cette fraternité universelle qu'on appelle catholique. Je crois vraiment à la famille une, sainte, catholique et apostolique qu'on appelle l'Église. Et au cœur de cette famille qu'est l'Église, famille de Dieu, famille humaine, Dieu vous aime. Alors à tous, je souhaite un bon dimanche. Rayonnez la famille, aimez-la, protégez-la, fortifiez-la aussi par le don de vous-même, parce que ça vaut la peine de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et puis à celles et ceux qui sont aussi dans la peine, dans l'attente, dans la séparation, ou même, hélas, dans la division, ne perdez pas courage. Le Seigneur a encore tellement de choses parce qu'il aime la famille et il la réunira, vos familles aussi. Soyez bénis et bénissons-nous les uns les autres. Amen.